Les tensions en Amérique centrale, alors que les Nations unies ont décidé d'envoyer une mission d'enquête à la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, le gouvernement américain a engagé des négociations avec le général Noriega pour obtenir qu'il quitte le Panama, où l'état d'urgence a été décrété hier. Hélène Rizachet. Le général Noriega va quitter le Panama. C'est la rumeur qui circule ce soir dans le pays. Deux hauts fonctionnaires américains discutent secrètement avec le général depuis hier pour négocier ce départ. Les États-Unis pourraient renoncer à leur poursuite judiciaire contre Noriega, accusé de trafic de drogue. Pour le pays d'accueil, on parle du Paraguay, de l'Espagne ou même de la France. Pour garder toutes les cartes en main, le général Noriega a décrété hier soir l'état d'urgence sur tout le territoire, ce qui lui donne virtuellement tous les pouvoirs. Pour Noriega, il s'agit d'une riposte aux attaques des États-Unis contre l'économie panaméenne. Au début de la crise, il y a trois semaines, les États-Unis avaient décidé l'embargo monétaire sur le Panama. Résultat, plus d'argent dans les caisses, donc plus de salaire. Même les fonctionnaires, traditionnellement alliés du pouvoir, sont descendus dans la rue. Le général Noriega est aussi lâché par l'armée. Après le putsch raté de mercredi, il opère de grandes purges actuellement au sein de son état-major. Il a même mis à la retraite son chef de renseignement. De plus en plus isolé, l'homme fort du Panama, qu'il est en fait de moins en moins, tâche donc de limiter les dégâts en négociant au mieux son départ. Les États-Unis, comme l'opposition au Panama ce soir, sont prêts à lui garantir ce départ.